Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Ô Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur, pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Sur ta face pour éclairer mon chemin. Ô Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur, pour que je puisse à ta gloire et que je marche en Seigneur, nous bénisse ce chemin. Levons-nous, s'il vous plaît. Lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 27. Psaume chapitre 27. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, « Cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu voudras. Tout mon cœur est à toi, ô Jésus, mon roi. Merci. Ô à moi, semblable à toi. Oui,
c'est notre désir, notre bien, de pouvoir réellement être conforme à ta volonté et de pouvoir marcher, oh Dieu, sur tes pas à toi et de pouvoir avancer pour que nous puissions atteindre le but pour lequel tu nous as appelés, Père. Louange et honneur à toi de ce que tu nous as pas laissé seul, Père. Ta fidélité, mon béni, mon Père Saint-Dieu, est tellement extraordinaire à notre endroit parce que tu demeures fidèle à ta parole à toi. Et c'est toi qui pourvois pour que cette parole, nous puissions la recevoir de manière à ce que tu puisses encore davantage nous conduire, Père. Merci pour cette soirée. Merci réellement pour ce moment béni que tu nous donnes, la grâce de pouvoir être rassemblés en ton nom, mon béni, mon Père Saint-Dieu, d'avoir cette soif toujours de pouvoir apprendre de toi et de pouvoir également aussi marcher selon ce que toi tu nous déclares, bien-aimé, pas de mission, parce que c'est toi qui nous transforme, c'est toi qui aussi, oh Dieu, connais la marche que nous devons emprunter, bien-aimé, pas de mission, le rythme, c'est toi qui les donne, Père. Pardonne-nous, aide-nous encore, nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions continuer encore la marche. Merci pour toutes ces chants et les cantiques que ton peuple a eu à pouvoir chanter avec beaucoup d'amour aussi, pas de mission, Dieu, avec aussi le cœur tourné vers toi, reconnaissant et désirant tellement que tu puisses agir davantage, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour pour nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion. Merci pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Notre désir, c'est de contempler sa face. Que le Seigneur nous aide à pouvoir réellement aussi embriguer nos pas sur ses pas pour que nous suivions le chemin que lui-même a eu à pouvoir tracer. Et comme la Bible le dit, nul impur n'y passera, seul le racheté de l'Éternel. Nous lui implorons aussi la grâce, le soutien et le secours, afin qu'il soit avec nous. Et comme l'Écriture le dit, si donc Dieu est avec nous, qui sera donc contre nous? Que nos cœurs puissent seulement s'ouvrir à l'Éternel, notre Dieu. Qu'il vous bénisse tous, et qu'il vous fortifie et qu'il vraiment agisse dans la vie de tout un chacun pour que réellement nous puissions aussi plaire à ce Dieu qui nous aime autant et de le servir avec beaucoup de dévouement et aussi un cœur plein de reconnaissance aussi et de joie aussi. Nous réalisons toujours la grâce de ces dieux parce que chaque jour qui passe nous montre effectivement aussi qu'il est miséricordieux et lent à la colère et riche aussi en bonté. Quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, oh, c'est vraiment le Seigneur notre Dieu, c'est parce que il a manifesté vraiment quelque chose de tellement si grand à l'endroit de l'homme, c'est le sacrifice qui a été offert. Autrement, cette terre dans laquelle nous sommes aurait déjà été brûlée depuis très longtemps. Mais c'est cette grâce de Dieu, cette miséricorde de Dieu qui nous maintient encore parce que lui n'a jamais voulu que l'homme soit perdu. Et son amour à lui s'est lancé pour nous. Alors que nous étions dans le bourbier, nous devons saisir cette main qui nous est tendue effectivement et la saisir avec beaucoup de reconnaissance. Et savoir que sans cela, nous ne serons pas aujourd'hui vivants. Et puis, nous ne pourrions jamais voir sa face, mais il a voulu que nous puissions trouver grâce à ses yeux pour que nous puissions voir réellement aussi sa face. Nous avons un service de baptême. Je voudrais, juste que nous entrons dans les Saintes Écritures, nous lisons dans les livres de Hébreux au chapitre 10, et là, nous lisons juste le verset, à partir du verset 35, je pense que c'est cela. Dans les Hébreux au chapitre 10, le verset chapitre 10, le verset 35, nous lisons ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est donc promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen.
Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons devant ton trône de grâce, reconnaissant combien tu es tellement précieux et très important pour nous aussi, Père Saint-Dieu, de pouvoir réellement nous coordonner dans tout ce que nous sommes, parce que nous voulons vraiment être à toi, être sanctifiés, comme tu le dis, Père. Oh Dieu, le corps, l'âme, tu es le maître qui a la capacité de pouvoir encore agir dans un être humain, Père, pour qu'il soit taillé comme toi tu le veux, Seigneur. Sois avec nous encore ce soir. Nous te remercions pour ta parole et aussi pour le service que nous aurons tout à l'heure, Père Saint-Dieu. Aide-nous encore, Père, car nous t'avons ainsi prié. Je te demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est dans cette écriture que nous pouvons voir réellement ce que le croyant est appelé à pouvoir surtout prêter attention. Et de pouvoir, parce que lorsque le temps avance, on entre souvent dans les habitudes. Et puis bon, certaines répétitions deviennent effectivement comme les choses qu'on connaît. Et puis finalement, effectivement, mais on ne prête pas trop attention aux choses. Ce sont des choses qui sont tellement si petites et simples aux yeux de vous, effectivement, mais qui sont tellement si importantes aux yeux du Seigneur. Vous savez, souvent on pense qu'il faut faire de grandes choses pour que c'est sinon. En fait, c'est tellement dans les petites choses, effectivement, que Dieu s'y trouve, en fait. Et c'est pour ça qu'il dit que si tu es fidèle dans les petites choses, alors Dieu te confiera aussi des grandes. Et nous devons réaliser, comme nous venons de lire effectivement dans l'Écriture, la Bible nous fait savoir que il est absolument important que nous demeurions fermes, effectivement, à ce que nous avons eu à pouvoir avoir comme grâce. Comme ici, il dit que c'est une assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Cette assurance, effectivement, est venue comment auprès de vous, en fait? Parce que si Dieu n'allume pas l'étincelle, effectivement, dans le cœur d'une personne, personne ne peut arriver à pouvoir tenir. Il faut que Dieu ait fait quelque chose. Et je crois qu'il y a quelques jours, le mal a vraiment une puissance pour agir toujours sur l'homme. L'homme est très sensible à l'attraction du mal. Mais quant au bien, c'est très difficile que l'homme se sente effectivement désiré du bien. Vous savez, j'étais touché tout à l'heure, j'ai eu ces enfants que j'aime beaucoup. Ce sont les enfants de ma bien-aimée sœur, notre sœur. Babino, ce sont aussi mes enfants. Notre sœur, et alors les enfants sont venus dans mon bureau. Et ils avaient un témoignage à pouvoir me rendre. Et c'était Noah et aussi Marisa qui sont donc venus. Et voilà, nous étions assis avec elle. Alors, oui, Marisa m'avait fait quelque chose que je voulais bien. Et c'était donc les cakes. Hein, ce qui était vrai que je voulais manger, m'apporter les cakes. Et puis, j'ai demandé de voir s'asseoir. Et puis, je demandais comment ça allait. Et puis, elle voulait me rendre aussi témoignage de ce qui s'est passé aussi. Alors, elle me dit que voilà que. Samedi, hein, donc, avec leur maman, ils étaient assises là, et alors ils parlaient, et leur maman les exhortait, alors on leur faisait savoir, elle dit, des enfants de Dieu, comme vous les filles de Dieu, vous ne devez jamais vous habiller comme le monde, et leur donner des conseils, effectivement, voilà qu'on doit se comporter dans la maison du Seigneur, ne copiez jamais le monde, parce que le monde commence à pouvoir entrer, et la maman donnait des conseils, c'était un samedi, hein, soit, des conseils, effectivement, à ses enfants, en leur montrant comment il faut s'habiller, comment il va se faire tenir, effectivement, et ne pas aller dans les choses comme danser pour des choses inutiles comme ça, des choses qui semblaient comme si des cantiques. Donc, dans la maison, ils parlaient de cela. Et puis, ils sont allés dormir aussi. Et je pense que leur papa aussi a eu à pouvoir leur parler parce qu'ils étaient là et la musique passait effectivement de soi-disant cantique. Mais bon, alors, je crois que Marisa qui s'est levée pour l'être dans une table, elle dit, mais non, vous ne pouvez pas aller, vous, en tant que fille de Dieu, vous ne pouvez quand même pas aller vers des chansons comme ça, danser pour cela, c'est pas ce que vous devez faire. Donc, papa et maman, et donner des conseils comme cela aussi à leurs enfants. Alors, ils disent, ils sont allés dormir, je pense, vers minuit. Hein. Alors, ils ont dit que quand ils sont arrivés donc le matin ici, après avoir chanté les cantiques, et voilà que je suis monté donc du haut de la chaire, et puis vous avez entendu effectivement ce qu'il allait dire. Alors, quand ils sont sortis, il dit, mais c'est quand même extraordinaire parce que ce que notre maman nous disait à la maison,
Et ce qu'on vient d'entendre, c'est mot à mot comme notre mère le disait à la maison. Donc leur maman les éduquait, leur maman leur montrait effectivement, parce que quand ils sont venus ici, ils ont entendu exactement la même chose. Alors, je les ai regardés, j'ai dit, vous avez entendu ça, c'est vrai. Je pose la question à Noah, est-ce que ce que Marie-Isaac dit, c'est vrai que maman dit, oui, c'est vrai, j'étais là. Et maman, elle nous a parlé samedi à la maison, quand on est venu, ben, on était étonnés de voir que vous avez répété mot à mot les choses que notre maman nous disait concernant l'habillement, concernant ceci et cela. J'ai dit, mais alors, vous avez quand même réalisé que votre maman était une fille de Dieu. Elle dit, oui, alors, j'ai dit, je pose la question. Comment avez-vous trouvé cela, le conseil que maman vous disait dans l'habillement, que vous puissiez vous habiller normalement, pas des fantaisies, choses comme ça, effectivement, comme vous l'avez aussi entendu. Comment vous trouvez cela, vous, chère fille? J'aime bien les enfants parce qu'ils sont sincères. Alors, Marie-Isaac me dit, c'est pas facile. J'ai trouvé un peu pas facile du tout. C'est ce que la maman disait, comme on entendait dire. J'ai dit, pourquoi? Et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais très heureux. Elle me dit, mais parce que, vous savez, quand nous sommes des jeunes, nous sommes aussi attirés par. Elle dit, l'attraction, vraiment, et quand vous êtes avec des amis, tout ça, vous sentez que vous êtes quand même, vous ne pouvez pas vraiment se tenir vraiment comme cela dans la Bible. Mais il faut que vous fassiez quelque chose quand même qui va... Je les écoutais, je regardais. Et puis je pose la question à Noah. Et Noah, toi? Il dit, moi aussi, c'est la même chose aussi. Hein. Hein, vraiment, ah, comme ça, c'est difficile. Il y a aussi l'attraction. Là, on veut quand même être un peu comme ça, comme les autres, ainsi de suite, évidemment. Et c'est pas facile. Alors, je les regarde, je dis, je suis content de vous entendre. J'ai dit, mais vous vous souvenez que j'ai dit toujours que vous ne pouvez pas venir à l'église parce que vous vous sentez obligé. Il dit, quand on vous oblige de venir, effectivement, que vous venez parce que vous êtes obligé, il n'y a rien que vous recevez. Vous ne prenez même pas plaisir à cela. J'ai toujours répété cela. Et à vous tous aussi, c'est important cela. Sinon, vous venez mettre des ordres ceci, et puis parler des gens ceci, parce que vous n'avez pas compris pourquoi vous venez ici. Alors, écoutez bien, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, vous avez difficile, vous vous sentez, c'est pas facile de pouvoir vraiment se tenir comme les saintes écritures veulent. Vous sentez qu'effectivement que vous avez l'attraction et d'aller toujours là-bas parce que... Alors, je vais vous donner juste un exemple. J'ai dit, toi, Marie-Isaac, tu as fait tes études et tu arrives en fait au bon chemin. Depuis que tu as commencé tes études, même primaire, tout ça, bien monté, secondaire, tout ça, maintenant, tu arrives au bon chemin de l'université, tu as toujours eu le désir de devenir médecin, toi. J'ai dit... Et ça, c'était les désirs profonds dans ton cœur. Maintenant, quand tu arrives maintenant au branchement, il y a maintenant des options. Parce qu'il faut, parce que vous avez les primaires, secondaires, ce sont les branches principales. Et puis après, maintenant, il y a des options. Vous devez quand même arriver, même si la secondaire, mais choisir maintenant votre option que vous sentez que ça, je vais faire. Bon, vous arrivez à ce branchement-là. Ici, vous avez le secrétariat de direction. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'option pour la médecine. Toi, Marisa, comme tu as toujours aimé la médecine pendant que tu grandissais, évidemment, tu as fait ton choix de pouvoir maintenant prendre la section donc, de médecine avec tout ce qu'il y a. Tu as commencé, tu sens que tu aimes bien quand tu es là-dedans, tu sens, ah, c'est ce que je voulais, je vais être vraiment là-dedans. Parce que c'était la chose que tu as choisie, ça correspond à tes envies, à ton désir, tu veux devenir médecin. Mais ici, là... C'est le secrétariat de direction que Noël, elle aussi, a eu à pouvoir choisir aussi parce qu'elle a toujours voulu être secrétaire de direction ainsi de suite. Noël a commencé aussi, elle a commencé sa formation, ses études, effectivement. Elle se sent tellement si bien dans ses études, sa secrétaire de direction. Et puis, elle vient vers toi, Marie-Isaac. Et te dit, Marie-Isaac, vraiment, la formation que moi j'ai, prise, oh là là, secrétaire de direction, je me sens vraiment très bien, je m'épanouis là-dedans, vraiment, c'est vraiment ce que je voulais, c'est agréable pour moi, je me sens vraiment bien. Il dit, mais je pense que si vois comme je suis là-dedans, je voudrais que toi aussi, tu viennes aussi dans la formation où je suis secrétaire, parce que je me sens très bien là-dedans aussi. Alors, mais toi aussi, de ton côté, quand tu as pris la médecine, tu es entré dans la formation, tu te sens bien dans la médecine, effectivement, c'est agréable. Mais Noah veut te convaincre que toi, tu dois quitter la médecine et venir, effectivement, vers les secrétaires de direction qu'elle aime tellement. Parce que quand il dit « je m'épanouis bien »,
Est-ce que toi, tu vas accepter de quitter la médecine et de pouvoir aller faire des études de secrétaire de direction? Elle me regarde. J'ai dit, je voudrais savoir dans ton cœur à toi. Tu vas faire. Elle dit, non, je ne peux pas. Moi, je dis, pourquoi? Parce que j'aime la médecine. Parce que j'ai choisi la médecine. J'ai dit, c'est comme ça avec Dieu. Si tu n'aimes pas le Seigneur, si tu n'as pas choisi de pouvoir vivre, parce qu'il faut connaître pourquoi tu l'as choisi, pourquoi tu vas prier. Alors, quand il te dit quelque chose, tu changes automatiquement. Tu ne vas pas, parce que il n'y a pas de relation entre le secrétariat de direction et la médecine. Non, tu ne peux pas changer la médecine pour devenir secrétaire de direction. Même si elle se plaît là-dedans, ce n'est pas ta place. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Ma place n'est pas dans ces choses-là. Quand on me parle d'habillement, je ne peux même pas me plaindre parce que je trouve que vraiment, moi, en tant que fille de Dieu ou fille de Dieu, je dois être comme ça. Et alors, quand vous n'êtes pas vraiment là-dedans dans la chose, parce que je leur disais, c'est pour ça que les saintes écritures nous disent que soit tu es chaud ou soit tu es froid. Et quand tu as un pied là-bas, un pied ici, quelque part, tu serais être attiré quelque part. Parce qu'à ce moment, tu n'as pas de conviction quelque part. Et c'est cela que, au point où vous pouvez comprendre et regarder nos enfants et ce qu'il en est. Nous avons la responsabilité. Vous, en tant que parents, votre responsabilité est vraiment importante et sous davantage aussi, grande aussi, en rapport avec nos enfants. Et je crois que je ne sais plus tellement qui disait, oui, c'est ma bien-aimée, mais avec les enfants, et c'est parfois difficile quand on leur dit, ne faites pas ceci, les enfants veulent toujours faire le contraire. Vos enfants que vous éduquez ici, frères et sœurs, ils ne peuvent pas devenir plus forts que vous. Ils ne peuvent pas vous imposer quoi que ce soit. C'est vous qui avez l'autorité. Ce qu'on appelle l'autorité parentale. Ta fille à toi peut t'imposer que je vais porter une mini-jupe vivant dans ta maison. Non, le mien, si c'est comme ça, ma fille dit ça, je la chasse. Oui, amen. Je vous dis la vérité. Mais je vous ai déjà dit, non, mais c'est dit non. Chez moi à la maison, je te dis, porte des vêtements. Tu veux que tes sous-vêtements ou tes jupes là, mini, puissent se voir à l'extérieur. Chez moi, il n'y a pas de maison de prostitution. Hein. Tu prends tes bagages et tu pars et tu t'en vas. D'ailleurs, il y a des centres ici, les gens peuvent vous recueillir là où vous voulez. Parce que tu ne veux pas être correct dans ma maison, eh bien, tu sors. Non, mon frère, ma soeur. Vous savez, Dieu, quand il nous aime, il nous frappe. Mais tu ne peux pas toujours être doux avec ton enfant, ceci et cela. Ah bon? Nous retournons ici. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Peu importe effectivement toute la puissance que le monde peut avoir sur toi en tant que croyant. Tu connais la raison pour laquelle tu es devenu un croyant. Ce n'est pas pour marchander ta foi, pour marchander ta destination. Non, 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 non. Même s'il faut, le Seigneur est parti à la croix seul. Tout le monde l'a abandonné, mon frère. Il savait, lui, pourquoi il était venu. Il savait pourquoi il vivait comme cela. Alors c'est ce qu'il attend de toi et de moi. Je ne peux pas obtenir ce que le Seigneur a fait comme promesse sans aussi passer par ce même chemin. Il faut que je fasse un choix, que je comprenne le pourquoi de mon choix. J'aime des hommes de Dieu, puis je m'arrête. Cet homme de Dieu ici, je crois c'est Josué, il a marché avec le Seigneur. Et le Seigneur lui a parlé effectivement. Il a dit, moi et ma maison, moi et tout ce qui m'appartient. C'est la vérité. On doit devenir des hommes et des femmes au caractère parce que nous voulons avoir le meilleur. Nous ne voulons pas être un soi-disant chrétien croyant. Je veux être le parfait, le vrai chrétien, le croyant. Et quand on le voit, on dit non, sans l'ombre d'un doute. Il est comme ça. Le monde et tout ce qui nous entoure, effectivement, ne peuvent pas avoir la force sur nous. Que Dieu vous bénisse. Venons, nous allons prier parce que nous avons le service de baptême. Tendre Père et précieux ce soir. Nous venons encore à toi pour te dire encore merci, Père. Nous voulons vraiment nous traiter durement encore, Père Saint-Dieu. Revenir aussi dans le jeûne et la prière, mon bénévole, perturbissant pour cas. Tout ce qui nous a vraiment perturbissant, entraîné à ce que nous puissions vraiment nous donner de toi, Père Saint-Dieu, puisse s'éloigner de nous, mon bénévole, Père Dieu. Oh, tu es vraiment notre lumière, mon bénévole, perturbissant. C'est toi comme ton fils perturbissant. Il l'a dit tout à l'heure dans la prière. Sans toi, nous pouvons tous les efforts qu'on peut faire, ça ne boutit à rien. Mais nous avons besoin de toi, mon bénévole.
ne perturbissant Dieu. Tu as dit, si mon peuple se qui perturbissant Dieu, mon nom, c'est vrai qu'ils reviennent avec le cœur brisé, contrit, et cherchant ma face, je me ferai voir, mon bien-aimé perturbissant. Nous avons besoin de toi dans notre vie, bien-aimé perturbissant. Nous avons besoin de ce changement véritable, mon bien-aimé perturbissant, qui fait de nous, le peuple de Dieu perturbissant, des fils et des filles de Dieu, ceux qui aiment réellement Dieu et qui savent pourquoi ils ont pris cette orientation, mon bien-aimé perturbissant Dieu. Oh, nous pouvions être aussi comme les religieux de ce monde, mon bien-aimé perturbissant Dieu. Ils sont dans les églises et à l'extérieur, ils vont dans les boîtes de nuit, ils font tout ce qu'il y a à pouvoir faire. Mais nous, ce n'est pas comme ça que tu nous as éduqués, mon bien-aimé perturbissant Dieu. Nous a retirés de ces endroits, mon bien-aimé perturbissant, pour nous sanctifier, mon bien-aimé perturbissant Dieu. Pour nous laver avec de l'eau pure, mon bien-aimé perturbissant. Oh Dieu, enfin que nous puissions penser juste, mon bien-aimé perturbissant Dieu. Avoir des sentiments purs, comme tu le dis, bien-aimé perturbissant Dieu. Et surtout nous aimer ardemment les uns les autres, mon roi. Puisses-tu nous aider encore ce soir et nous voulons te remettre le service de baptême entre tes mains, Seigneur, oh Dieu. Te remerciant pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore davantage, mon roi. Tu attires les hommes encore aujourd'hui, perturbissant Dieu. Attire encore davantage, mon bien-aimé perturbissant Dieu. Ceux qui se sont rétrogradés et refroidis, bien-aimé perturbissant. Ramène-les encore davantage, mon bien-aimé perturbissant Dieu. Qu'ils voient réellement aussi ta vie parmi ton peuple, mon bien-aimé perturbissant. Cette vie qui peut secouer les hommes, mon bien-aimé perturbissant. Et les ramener encore davantage à prendre en considération pendant ta parole à toi, mon sauveur. Sois béni et sois glorifié encore, car nous t'avons ainsi prié, mon Seigneur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Viens, mon grand. Il y a un cantique, un chœur. Il dit, la grâce coule du Golgotha. La grâce coule pour moi. Profond mystère, oui, je le crois. La grâce coule pour moi. Nous allons fredonner un cœur et nous allons aller pour le service de baptême. Deux cent soixante-quatre, docteur. Quand la Bible ici va, croire et obéir. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, que savoir Dieu veut nous ouvrir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement I'm
maîtrise, s'il est seul.